Que personne ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi, en pureté. Sur ces mots, les siégeants et moi, nous vous souhaitons la plus cordiale des bienvenues qui soient. Poursuivons en entonnant le chant se trouvant au numéro 22 de nos hymnes et louanges. Ensuite, nous lirons Jean 21, versets 15 à 17. Qui dit au soleil sur la terre d'éclairer tout homme en tout lieu, et qui donne aux nuits leur mystère, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Le bleuet et le ciel superbe qui les atteint d'un si beau bleu, qui verdit l'émeraude et l'herbe, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Quand nous pleurons, qui nous console, qui veille sur nous en tout lieu, qui nous soutient par sa parole, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu, c'est l'Éternel, c'est notre Dieu. Après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que ne m'aime ceci ?» Il lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes agneaux. » Il lui dit une seconde fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre lui répondit, « Oui, Seigneur, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Il lui dit pour la troisième fois, « Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu ?» Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois, « M'aimes-tu ?» Et il lui répondit, « Seigneur, tu sais toutes choses, tu sais que je t'aime. » Jésus lui dit, « Paie mes brebis. » Fermons les yeux pour la prière. Bon et tendre Père des cieux, nous te disons merci pour ce moment. Merci pour la matinée que tu nous as permis de passer en bien. Permets que ce programme soit une réussite. Bénis les siégeants, ceux qui l'ont organisé. Reste avec nous, garde-nous. Au nom de Jésus, nous t'en prions. Amen. Tu veux la paix du cœur, tu dois rechercher plus de charité. Oh, c'est la force essentielle pour bien s'harmoniser. Et l'homme charitable souhaite guérison des âmes troublées. Oh, il vit d'un commun accord avec le paradis. La charité pardonne tout, la charité supporte tout. La charité n'est point envieuse, écoutez la vérité, recherchez la charité. Écoutez la vérité, recherchez la charité. Et
quand je parlerai les langues des hommes et celles des anges. Si je n'ai pas de charité, suis un airain qui résonne. Et quand j'aurai la foi jusqu'à transporter même les montagnes. Si je n'ai pas de charité, cela ne me sert de rien. La charité pardonne tout, la charité supporte tout, la charité n'est point envieuse, écoutez la vérité, recherchez la charité, écoutez la vérité, recherchez la charité. La charité pardonne tout, la charité supporte tout, la charité n'est point envieuse, écoutez la vérité, recherchez la charité, écoutez la vérité, recherchez la charité. Rubrique nous pour assurer à baser sur choléra. Nous connaissons que choléra c'est une maladie qui t'a fait rage dans certains temps dans pays là, qui t'est venu suspendre mais qui recommence encore. C'est une maladie infectieuse qui causée par un virus qui relève Vibrio cholerae. C'est une maladie qui est extrêmement virulent et qui provoque une diarrhée aiguë sévère. Symptômes yo commencent à paraître entre 12 heures à 5 jours après contamination. Si moun kou grand moun kapab fèl, el li kapab tuyo nan quelques heures si li pa traité. Ki jan pou m'empêcher m'pran? Suppose premièrement laver même ak dlo ak savon avant manger ak lèm sot nan toilette. Deuxièmement laver fwi ak légume yo avant m'consommer yo. Troisièmement toujou kite manger ke m'pral manger yo bien kuit. Quatrièmement pa bwè dlo ki pa traité. Si toutefois nou ta gen yon moun ki proche nou ki prezante sin sa yo, diarrhée de lololo, ventre fait mal, vomissement, faiblesse, nous supposé bali sérum moral là que nous capable préparer pour contre nous la caille nous avec deux gros bouteilles cola ou bien trois tipiti, n'a pas ajouté 6 cuillères sucre la donne avec demi cuillère sel. N'a bay moun nan boil de temps en temps et puis n'a couri dans centre santé qui pi prêt ensemble avec lui. Toujours songer que santé nous c'est pas nous, c'est nous-mêmes qui pour protéger. En tant que jeune, bien faire société de jeunesse gain dans la faire dans la vie, c'est premièrement permettre que me grandir plus spirituellement. Deuxièmement, permettre que me vienne plus humble. Ça va être que évangéliser par comportement et action qui m'a causé. Troisièmement, permettre que me fraterniser youn lot. Quatrièmement, permettre que me développer talent ou bien qualité moi te gain la caille moi. En gros, il changer vie et le permettre que me vienne en lot. Jeune maman, le matin, la nuit.
Mesdames, Messieurs, bien-aimés frères et sœurs, chers jeunes, vous qui nous suivez à travers la page Facebook de la Fédération Centrale d'Haïti des Adventistes du 7e jour, bonsoir. Nous sommes très heureux d'être ensemble dans le cadre de cette semaine de prière organisée par la direction de la jeunesse de la FEDJAS et dont le thème est « Aimer est un verbe ». Nous espérons que Dieu va déverser sur nous toutes ses bénédictions au cours de cette semaine. Et ce soir, nous allons partager avec vous la parole de Dieu, dont le titre est « Aimer, c'est pardonner ». Dans le cadre de message à Soya, nous allons découvrir comment il est important pour nous capables de cultiver pardon nous-mêmes qui dit nous remet. Et yo raconté nos histoires yon homme qui était relé Bill Buckner, monsieur c'était un joueur baseball. Yon qui était très apprécié par rapport à talent que monsieur était gagné. Mais malheureusement, monsieur t'a pral commettre yon erreur qui t'a pral fait fanatique yo pas vraiment capable continuer manifester l'amour il était gagné pour lui avant il pas de pardonner ça du tout et ça n'a besoin l'y passer en 1900
86, quand l'équipe Monsieur A, eh bien, elle était dans un match qui est important, qui aurait les World Series, c'est le capable de championnat qui t'a organisé. Côté que l'équipe l'a mené, mais avec une erreur de Bill Buckner, l'équipe l'a perdu. Coupe-là. Fanatique, pas de content du tout. Et colère, il y a eu pour le fait que monsieur était quitté la zone de ta vivre là. Qui c'est Boston. Il t'a pour aller dans l'autre état. Qui c'est Idaho. Bon, on est capable de dire Idaho. Si ça n'a pas posé problème pour nous. Bien-aimés frères, chers jeunes, faut que moi dis que ça t'a pas prend plaisir l'année et que ça pas de jambes sorti dans l'esprit fanatique yo. Mais c'est dans l'année 2008 Bill Buckner t'a pral joindre pardon. Lorsque l'équipe Lyon a gagné le championnat ça pendant deux fois, en 2004 et en 2007. Et il y a eu une chance pour être capable de lancer le ballon dans la deuxième période qui a gagné, dans le dernier match là. Et il y a eu recevoir un accueil chaleureux. Il a reçu le pardon de ses fans. Même si en 1986, il n'y a pas de ça, mais il était joué une possibilité pour te jouer un pardon fanatique. Même genre avec Bill Buckner, nous allons voir un homme qui a marché avec Jésus, mais lui aussi, il a fait commettre une erreur qui est très très grave. Donc, capable de dire, peut-être les patapes même mérité, pardon. C'était un disciple qui était très proche de Jésus. Et dans tête, nous avons dit, m'a parlé non de Pierre. L'apôtre Pierre, bien-aimés frères, chers frères et sœurs, chers jeunes, a fait une erreur qui peut être placée sur la liste des pires erreurs de l'histoire. Pendant 3 ans et demi, Pierre t'a suivi de très près Jésus. Elle était témoin des grands miracles accomplis par le Seigneur. Des miracles même, c'est Pierre qui était au centre. Nous sommes capables de prendre exemple lorsque Pierre était passé toute nuit là, il a péché et il n'y a pas de prendre rien. Et comment Jésus-Christ lui a ordonné Pierre qui ça pour le faire. Et Pierre a pral kembe en pile poisson. Dans Luc chapitre 5, le verset 4, il est dit: ramez le bateau dans l'eau profonde et jetez vos filets pour attraper du poisson. Et Pierre, t'as pas le fait un acte qui est extraordinaire lorsque la quantité de poissons qu'elle recevait, il t'a pas dit: Seigneur, ou pas besoin d'approcher de moi parce que moi pas digne, je suis un pécheur. Dans l'autre occasion, on parle de Pierre qui est sous lac Galilée, encore, t'as pas le témoin de ce que Jésus-Christ est capable de faire. Côté que pendant que monsieur était sur la mer, eh bien, on t'a pral ouais, Jésus qui a marché vini, mais dans tête, si on t'a pensé, c'était un fantôme. C'est alors que Jésus pral dit: monsieur, ne vous inquiétez pas, hein, je suis Jésus. C'est moi, n'ayez donc pas peur. Et puis, on t'a pral dit: bon, si c'est vous-même, permettez que je me fasse même bagaille là tout.
Et même Jean avec Jésus, Pierre, est arrivé marcher sur de l'eau. Donc nous comprenons que Pierre, c'est quelqu'un qui a eu beaucoup d'expérience avec le Seigneur. Qui a été fait en l'autre expérience encore. Quand est-ce que Jésus t'a pas posé, monsieur, une question. Qui est-ce, yo dit non, que moi, qui est-ce nous-mêmes, nous dit, moi, c'est Pierre qui t'a pas prend la parole pour le dire. Tu es le Messie, le Fils du Dieu vivant. Et à la déclaration de Pierre, Jésus-Christ après elle répond, tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas une pensée humaine qui t'a révélé cela, mais c'est mon Père céleste. Et moi, je te dis que tu es Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon Église. Nous capables de convenir que Pierre, c'était un grand joueur dans l'équipe. Jésus, même Jean, l'homme dont nous venons de parler, il était un grand joueur. Mais à un moment tout à fait décisif, il a commis une très grave erreur. Juste avant la crucifixion de Jésus, il s'adressa à ses disciples en disant, je serai pour vous tous cette nuit une occasion de chute. Alors, qui est-ce encore qui peut prendre la parole? C'est Pierre. Parce que Gimbagay, Lipavlé, il a toujours été présent pour Jésus. Pendant que tout le monde t'a regardé, il y a une lotte. Mais Pierre t'a parlé dans ce sens-là. Il a dit, quand tu serais pour tous une occasion de chute, tu ne le seras jamais pour moi. D'après Matthieu 26, 31 à 33. Pierre a insisté encore et encore sur le fait qu'il ne renierait jamais son maître. Cependant, tous, vous comprenez l'histoire, donc on est ça que tu as passé. Quelques heures plus tard, non seulement il a renié Jésus, mais il a maudit et juré qu'il ne connaissait jamais cet homme. Oui, bien-aimés frères, chers jeunes, Pierre a nié son professeur. Il a renié son maître alors qu'il aurait dû le défendre. Il a lâchement renié celui qu'il avait appelé et avait fait des miracles extraordinaires dans sa vie. Face à une situation comme ça, Pierre l'était sorti honteux. Et est-ce que nous connaissons qui ça qui passait après? Est-ce que le maître a jeté Pierre? Même Jean, nous toutes, nous connaissons notre Seigneur. Il a été sacrifié. Son corps a été placé dans une tombe, mais le troisième jour de sa mort, il a été ressuscité. Et après sa résurrection, celui qu'il allait encore rencontrer, c'est Pierre. Et au même endroit, ça t'est passé, c'est là que tu as pas joué une Pierre. Pierre avait été témoin de la pêche miraculeuse. Regardons, bien-aimés frères, bien-aimés sœurs, la conversation que le Seigneur a eue avec Pierre. C'est incapable qu'on ait plus bagaille. Jean l'a lu pour nous dans Jean chapitre 21. Nous capables de lire parole saillot. Après qu'il eut mangé, Jésus dit à Simon, Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu plus que
nous-mêmes ceci? Il lui répondit, Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paix mes agneaux. Et une deuxième fois, Jésus parlait avec Pierre. Il dit, Pierre, est-ce qu'on aurait même? Pierre répond, même Bagaïla. Et puis une troisième fois, Jésus a posé la même question à Pierre. Et cette fois-ci, Pierre a répondu, Seigneur, tu sais toutes choses. Mais tu sais aussi que je t'aime. Et la réponse de Jésus était la même. Paix, mes brebis. Chers jeunes, frères et sœurs, vous qui nous écoutez, Pierre, comme Bill Buckner, l'était fait une erreur qui est vraiment grave et qui est enregistrée dans l'histoire. Mais il a également reçu la grâce du pardon. Parce que c'est à lui que Jésus a confié la mission pour le capable de perdre sa brebis. Jeunes hommes et jeunes femmes, l'histoire de Pierre lui enseignait-nous qu'aimer, c'est pardonner. Je reprends cette déclaration. L'histoire de Pierre lui enseignait-nous qu'aimer, c'est pardonner. Nous ne sommes pas capables de dire que nous aimons quel que soit le monde lié à, si nous pas prêts pour nous pardonner. Parce que tous nos sujets pour que nous capables de commettre des erreurs. Même Jean, Pierre te recevoir le pardon de Jésus, nous aussi, nous sommes appelés à nous pardonner les uns les autres. Combien de sociétés de jeunesse ne sont pas fonctionnelles parce que les jeunes ont un problème et ils n'ont pas voulu pardonner l'autre? Combien de familles sont dysfonctionnelles parce que le mari ne veut pas pardonner à sa femme, la femme n'est pas voulu pardonner mari? Combien d'églises fonctionnent mal parce que les dirigeants parfois ne pardonnent pas les dirigés et les dirigés non plus n'ont pas pardonné les dirigeants? La parole de Dieu déclare, si vous ne pardonnez pas aux hommes leurs offenses, votre Père céleste ne vous pardonnera pas non plus. Et chaque jour, nous prions, car dans la prière que Jésus-même t'a enseignée, elle était dit, c'est pour nous capables, dit bon Dieu, pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Chers jeunes, chers amis, vous qui nous suivez, aimer, c'est un verbe. Et moi-même, t'as dit verbe ça, c'est le verbe pardonner. Quand il y a le pardon, il y aura réconciliation. Et quand il y aura réconciliation, il y aura croissance dans la relation. Ainsi, en ce soir, tous, nous devons gagner la force et le courage. Nous devons prendre la ferme détermination pour que nous soyons capables de dire bon Dieu, donne nos forces pour nous capables de pardonner. Voilà pourquoi, tandis que je vais terminer, je voudrais vous demander de faire cette prière avec moi en répétant ces paroles. Seigneur, donne-moi la force et le courage de pardonner à tous ceux qui m'ont offensé, comme toi-même, tu me pardonnes quand je t'offense. Puisse le Seigneur, dans son amour et dans sa grâce, nous aider à cultiver le pardon. Ainsi,
à son retour, que nous soyons prêts pour l'acclamer comme le seul roi des rois et le Seigneur des seigneurs. Que le Seigneur vous bénisse tous. Remercions d'avoir été avec nous. Pour terminer, nous allons écouter ou encore auditionner Nisha dans un autre spécial avant la bénédiction par Guy. Ange établi de toutes les choses que tu me donnes, je n'ai vraiment pas de quoi me plaindre, mais je suis perdu sans trouver le chemin. Ma vie est en biais, mon cœur s'est brisé. Et ton cœur, je le sais, c'est lui aussi brisé. Quand je pleure, tu pleures. Quand je crie, tu viens. Quand je tombe, tu tends la main de ton grand amour. Quand je suis à genoux, tu me donnes ta paix. Et tu calmes ma peur. Quand je n'ai personne qui peut m'aider. Quand je pleure, tu pleures. Quand je crie, tu viens. Quand je tombe, tu tends la main de ton grand amour. Quand je suis à genoux, tu me donnes ta paix et tu calmes ma peur. Quand je n'ai personne qui peut m'aider. Grand Dieu Tout-Puissant, nous te louons, nous te saluons, que tu as fait. Merci Seigneur pour ce moment que tu nous as permis de passer à l'ombre de tes ailes. Merci pour ce beau message que tu nous as envoyé par ton serviteur. Seigneur, nous te demandons de pardonner nos péchés, bénir, fortifier, entends, exauce au nom de Dieu. Jeune maman, le matin, la nuit, le jour, par de ton
Je chanterai, tous les jours je chanterai.